Hello, hello, bonjour à tous, c'est ArimaCode. Nous allons continuer dans la partie des inéquations avec la fonction logarithme népérien. Donc ici, pour résoudre ce genre, c'est le même principe comme avec l'égalité. C'est assez simple, donc ça devient juste ln de a plus ln de b, ça devient ln de a fois b. Donc on met juste ça, ça fait juste x plus 2 multiplié par x plus 4. Ensuite, qui sera strictement inférieur à ln de x plus 8, comme ça. Mais bon, on va toujours essayer de faire ça avant, comme on l'avait dit. On va le faire avant. Pour trouver la boîte d'ensemble de définition, il faudrait que x plus 2 soit strictement supérieur à 0. Ça veut donc dire que l'intervalle sera égal à moins 2 plus l'infini. Ensuite, l'autre, c'est x plus 4 qui serait strictement supérieur à 0. Ça va entraîner qu'on aurait ici moins 4 à plus l'infini. Et le dernier, c'est x plus 8, strictement inférieur à 0. On aura donc juste ici moins 8 plus l'infini. Donc le format final sera moins 2 plus l'infini. Pourquoi? Ça sera pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on prend ça, on aura ici 0, on a moins 2, on a moins 4 et on a moins 8. Si on prend l'intervalle qui contient tout, c'est-à-dire 1 d'abord, le moins 8 à plus l'infini, donc c'était ça. Ensuite, l'autre, c'est moins 4 à plus l'infini. C'est ça. Et le dernier, c'est moins 2 à plus l'infini. C'est ça. Donc, celui qui est en commun, tout ça là, c'est celui-là. Donc, l'intervalle final, ce sera juste de moins 2 à plus l'infini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est arrivé à ce niveau où on veut résoudre. Donc, on obtient juste, on a dit ln de a plus petit que ln de b, s'entraîne que a est plus petit que b. Donc ici, ça nous revient à dire quoi? Ça revient juste à dire que on aura x plus 2, facteur de x plus 4, qui sera inférieur à x plus 8. Donc là, on peut, de plusieurs manières, on peut juste développer, on aura juste, on va dire x au carré plus 6x plus 8 moins x plus 8 moins x moins 8 inférieur à 0. Faut juste comprendre que j'ai développé rapidement. J'ai fait x fois x avec x au carré, x plus x fois 4 ça fait 4x, 2 fois x ça fait 2x, 4x plus 2x ça fait 6x. Après 2 plus 2 fois 4 ça fait 8. Après j'ai ramené de l'autre côté, on a moins x ici, on a moins 8. OK? Donc là maintenant je peux enlever ça et ça. Ensuite, on aura donc juste x au carré plus 5x qui est inférieur à 0. Donc, on obtient x facteur de x plus 5 qui est inférieur à 0. Donc, on aura ici, il faudrait juste pour résoudre ça, il faudrait mettre l'ensemble solution. Attention, ce n'est pas juste l'égalité, ça c'est la solution. Donc, ici, comment on fait ça? C'est parce que je vous rappelle avec le tableau de signes ici. On met x. En fait, avant de faire ça même, on fait d'abord x facteur de x plus 5 égal à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou x plus 5 égale à 0. On aura donc x égale à 0 ou x égale à moins 5. Donc les solutions, c'est quoi? C'est, on va dire, l'intervalle de départ qu'on a. C'est... Bon, je ne sais pas si je peux me permettre de vous mettre ça, mais je vais juste garder l'ensemble des définitions. On a dit l'ensemble des définitions, c'est moins 2 à plus l'infini. Donc on ne peut aller que de moins 2 à plus l'infini. Je ne sais pas si ça va vous embrouiller, mais bon, je vais d'abord faire un truc normal parce que j'ai peur de vous embrouiller d'abord. On va mettre moins l'infini, moins 5, moins 2, 0 et plus l'infini. On met tout, comme ça au moins, ce sera plus simple. Ensuite, on aura ici, on a mis, il y a x ici. Après, là, on a x plus 5. Après, on a x facteur de x plus 5. OK? Et donc là maintenant, lui, il s'annule, x, il s'annule à 0. Voilà. Après, il s'annule aussi là. Et lui, il s'annule là. Voilà. Et là aussi. Maintenant, si on devait faire le tableau sans considération de l'intervalle de base, on va dire que l'intervalle, c'est qu'on va dire, c'est juste là.
Devant, c'est moins, moins et plus. Et ici, c'est quoi? Ça, c'est ici, c'est moins, plus, plus. Et donc là, maintenant, ça fait ici, plus, moins et plus. OK. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Si on veut maintenant avoir l'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle final, c'est où? C'est à partir de moins 2. Parce qu'on a dit que c'est moins 2 à plus l'infini. Donc, l'intervalle, quand on s'arrête ici. Et ici, on a quoi? De moins 2 à 0. De moins 2 à 0, ici, c'est négatif. Et de 0 à plus l'infini, c'est positif. Donc, ici, on nous demande à quel moment ce truc-là, il est négatif. Il est négatif où? Ici. Donc, il est négatif entre moins 2 et 0. Donc, la solution S, ce serait égal à moins 2, 0. OK. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ensuite, on va passer à l'exo suivant. OK. Pour l'exo suivant, on va prendre un truc qui est aussi marrant. Comme tout à l'heure, on va prendre un truc qui change un peu. Ce serait égal à 1 moins ln de x facteur de 3 plus ln de x. C'est pas égal à 0. Bon, ça, on sait juste que comme c'est juste x, l'ensemble des définitions, ce serait de 0 à plus l'infini. OK, donc là maintenant qu'est-ce qu'on fait? On peut juste faire un truc simple. On peut développer, on aura juste ici 3 plus ln de x moins 3 ln de x, ensuite moins ln de x au carré, et c'est super égal à 0. Donc ça me donne quoi? Ça me donne ici moins ln de x comme ça au carré. Ici, maintenant, on a ça, ça fait moins 2 ln de x plus 3, c'est supérieur ou égal à 0. Bon, vous voyez qu'il y a déjà un moins, moins qui nous gêne là. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a ça. Si vous voyez, regardez, si on a ça, moins x moins 3 inférieur ou égal à 0, ça veut dire que lorsqu'on change tous les signes, tout change. Donc, on aura ici x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc, le fait d'enlever en multipliant tout ça par moins 1, quand on multiplie par un nombre négatif, le sens change. Donc, ici, je fais la même chose ici. Je vais multiplier tout ça par, on va dire, par moins 1. Donc, on aura ici ln de x au carré plus 2 ln de x moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc, là, maintenant, comme tout à l'heure, on revient à notre équation de base, donc avec le delta, on va dire posons grand X est égal à ln de X. Ensuite, on obtient grand X au carré plus 2 grand X moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc, on revient au delta. Discriminant, on aura delta qui sera égal à quoi? Ce sera égal à 4 moins 1 fois 4 fois moins 3. Donc ici, on aura ici donc 4 plus 12, ça fait 4 au carré. Delta positif, donc on a deux solutions. X1 qui sera égal à, l'équation c'est là, moins B, donc on aura ici moins 2, moins 4 sur 2. Donc on aura x1 qui serait égal à quoi? On aura ici moins 6 divisé par 2, ça va nous faire moins 3. Et l'autre x2, on aura juste moins 2 plus 4 sur 2 qui serait égal à 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici ln de x1 égale à moins 3 et ln de x2 qui serait égal à 1. Donc ici, ça va nous donner juste ici ln de x1 qui serait égal à ln de exponentielle de moins 3, qui va dire que x1 serait égal à exponentielle de moins 3. Ensuite, l'autre,
comme c'est égal à, on avait dit juste que x2 soit égal à e. Les deux solutions qu'on a obtenues sont là. Et donc, en fait, voilà les résultats de notre équation. Bon, maintenant, juste pour savoir, attention à ne pas confondre ln d'un nombre négatif et ln d'un nombre qui donne un résultat négatif. C'est pas pareil. Parce qu'ici, quand on prend, on a dit entre 0 et 1, entre 0 et 1 comme ça, le ln est négatif. D'accord? Le ln, la valeur en question, entre 0 et 1, c'est ln sera négatif. Donc ici, si vous voyez ça, c'est normal. Mais ln d'un nombre négatif, ça, c'est pas normal. Mais un nombre, ln d'un nombre qui donne un résultat négatif, ça, c'est normal. Et voilà le résultat. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où on parlera des limites avec la fonction LF. Merci.